Salut à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La fermeture de Parcoursup, c'est dans quelques jours, dans moins d'une semaine. Vous savez pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment organiser son temps dans le dernier moment. Alors déjà, faut pas trop travailler au dernier moment, mais imaginons que vous êtes un peu à la bourre, etc. Qu'est-ce qui est important de faire? Le plus important à faire déjà, c'est de mettre un maximum de vœux et de diversifier vos vœux. De mettre dans tous les domaines, tous les types de formations, tout ce qui est susceptible de vous intéresser. Parce qu'il vaut mieux que vous ayez le choix après, plutôt que vous dire, bah mince, j'aurais dû mettre plus de formations parce que ma formation première, elle m'a refusé, ou j'ai pas été accepté dans tel ou tel endroit, ou j'ai fait qu'un vœu parce que je pensais que j'étais sûr et au final j'ai pas été accepté. Vraiment, mettez un maximum de vœux. Après, pour les lettres de motivation, si vous n'êtes pas terminé, faites une lettre de motivation générique et à chaque fois juste mentionnez la formation en disant c'est pour ça que j'aimerais intégrer, et vous mettez le nom de la formation pour laquelle vous avez postulé. Et voilà. Après, des conseils pour la lettre de motivation, vous checkez la chaîne, il y en a déjà qui ont été proposés, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc je vais pas reparler de ça, ça va faire une redite sinon, donc je vous invite à aller voir ce type de vidéo. Mais sinon, là dans les derniers jours, peaufinez vos lettres de motivation, mettez un maximum de vœux. Si vous avez tout ça qui est bon, qui est ok, bah stressez pas et laissez tout faire. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous rajouter du stress ou dire « Oh mince, il y a des choses, il faut que je change tout, il faut que j'enlève ces vœux ». N'enlevez aucun vœu, laissez tout. Et vraiment, il n'y a pas d'autre chose de plus à faire. J'espère que vous avez donné votre maximum pour les deux premiers semestres, parce que c'est ce qui compte pour Parcoursup. Et maintenant, vu que la fermeture approche, bah, quand ce sera fermé Parcoursup, lâchez tout, lâchez prise, concentrez-vous sur les révisions du bac. Et je sais que ça va être difficile, mais quand mi-mai les résultats vont tomber, il faut pas se focus là-dessus, parce que si vous avez vos bons résultats, tant mieux. Mais si ça met un peu plus de temps à arriver pour ce que vous voulez précisément, ne stressez pas, prenez votre temps, mais on aura tout le temps d'en reparler. Je vous ferai une vidéo bien plus détaillée là-dessus au moment voulu. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, passez du bon temps sur Parcoursup, mais surtout une fois que c'est terminé, prenez du bon temps pour vous-même. Ciao tout le monde!